Voici la deuxième partie de notre série sur les émotions. Jusqu'ici, on a vu qu'on était tous plus ou moins victimes de nos émotions et que vous êtes très peu à avoir conscience à quel point vos émotions vous dominent. Mais on a vu aussi que c'était pas non plus si difficile d'acquérir une certaine rationalité. On a vu qu'il fallait être conscient de justement vos humeurs, vos sentiments et de vos émotions qui agitent inconsciemment et continuellement votre quotidien. Parce que c'est le socle des biais cognitifs qui faussent notre processus de pensée et qui déforment la réalité. On a vu qu'il fallait maîtriser l'escalade émotionnelle et qu'on devait adopter certaines habitudes et stratégies pour renforcer la part pensante de notre cerveau et lui donner davantage de poids. Dans cette vidéo, on va parler des biais cognitifs et d'une partie de l'escalade émotionnelle. Dans la troisième et dernière vidéo, on verra comment adopter des habitudes de pensée différentes pour nous permettre de devenir réellement rationnel. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder, à l'assimiler et à la comprendre avant de regarder celle-là. Donc déjà, comprenez que nos pensées tournent presque inévitablement autour du fait de rechercher le plaisir et d'éviter la douleur. Et ce principe de plaisir cognitif est la source de tous nos biais cognitifs. Il existe 195 biais cognitifs, mais je vais vous parler des biais les plus récurrents dans nos décisions. Le premier est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Par exemple, si vous pensez vrai que les vaccins sont une arnaque, tout ce que vous allez chercher, trouver, et même tout ce qu'on va vous dire, vous allez inconsciemment vous arranger pour que vos conclusions vous persuadent justement que votre postulat de base est vrai. Le remède à ce biais est simple. Assurez-vous de chercher et de trouver tous les faits qui vont infirmer vos croyances. Ensuite, si toutes les preuves ne vous convainquent pas, vous avez au moins les deux parties du tableau pour prendre une décision rationnelle et remettre en question ce que vous pensiez vrai au début. Le deuxième biais dont nous sommes les plus victimes est le biais de conviction. C'est le fait de se dire, comment est-ce que mon idée pourrait être fausse, étant donné toute l'énergie que je dépense pour la défendre. Et c'est ce biais qui fait que l'habit fait le moine. Quand on voit un vendeur persuadé que son produit est incroyable, on a tendance à croire que l'apparence qu'il dégage par sa conviction prouve qu'il dit la vérité. Donc, cherchez les faits et non les apparences. Ensuite, naturellement, le biais d'apparence fait que nous pensons voir les gens tels qu'ils sont, alors que pas du tout. Des gens en physique avantageux paraissent toujours plus dignes de confiance. Encore une fois, soyez sur vos gardes. Il y a aussi le biais de conformisme, c'est-à-dire croire que nos idées nous appartiennent, qu'on n'est pas influencé par le groupe. Vous devez prendre conscience que vous êtes inévitablement influencé, qui que vous soyez. Le biais d'accusation, lui, nous fait croire qu'on apprend de nos expériences et de nos erreurs, mais la réalité, c'est que la plupart du temps, on répète les mêmes erreurs à force de remettre la faute sur les autres et on agit comme ça, parce que c'est souvent trop douloureux de regarder nos propres erreurs qui remet en question notre sentiment de supériorité. Du coup, on fait semblant de réfléchir à ce qu'on a raté, mais avec le temps, le principe de plaisir l'emporte et on oublie justement la petite part de responsabilité qu'on s'était attribuée. Enfin, le biais de supériorité nous fait dire inconsciemment que nous sommes différents, que nous sommes plus rationnels et qu'on a un sens moral plus poussé. Mais la rationalité et les qualités morales s'acquièrent par la conscience et l'effort. Elles ne viennent pas naturellement, mais à travers un processus de maturation. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que le principe de plaisir cognitif est la source de tous nos biais cognitifs. Donc, oubliez un peu votre plaisir immédiat pour vous permettre justement de grandir. Parce que vous convoitez des jouets de grands, l'argent, les belles voitures, les business à succès, les relations stables, le leadership, la haute moralité, tout ça sont des jouets de grands qu'un enfant qui cherche le plaisir immédiat ne peut pas atteindre. Donc finalement, la première chose à faire pour maîtriser ses émotions est de gérer ce plaisir immédiat qui lui-même gère tous nos biais cognitifs. Le deuxième point, comme je disais dans la première vidéo, est l'escalade émotionnelle. Les émotions de niveau 1 affectent constamment notre pensée et sont le fruit de nos propres impulsions. Par exemple, du désir de nourrir des pensées agréables et réconfortantes. Par contre, les émotions de niveau 2 affluent à certains moments, atteignent un pic et sont en général déclenchées par des facteurs extérieurs ou alors par une personne qui nous tape sur les nerfs ou des circonstances particulières. Le degré d'excitation est bien plus élevé et notre attention est totalement captée. En fait, plus on pense à cette émotion et plus elle se renforce, ce qui va encore augmenter l'attention qu'on porte. En gros, c'est un cercle vicieux. Et ensuite, tout notre esprit est canalisé vers cette émotion et tout nous rappelle notre colère ou alors notre émoi. Et c'est comme ça qu'on devient réactif au lieu d'être proactif. Et parce qu'on est incapable de supporter cette tension, l'émotion de niveau 2 nous pousse à la décharger en agissant de façon impulsive et considérée, avec justement des conséquences catastrophiques. C'est ça qu'on appelle l'escalade émotionnelle et vous vous êtes forcément reconnu là-dedans. Mais si on va plus loin, on comprend que ça vient toujours de l'enfance. Soyez attentif parce que c'est très important. Soyez attentif parce que ça va changer votre vie. C'est dans la petite enfance que nous étions les plus vulnérables et les plus sensibles et que la relation à nos parents avait le plus d'impact sur nous. Et on pourrait même dire la même chose de n'importe quelle première expérience puissante. Et donc, nos fragilités et nos blessures sont enfouies au plus profond de notre cerveau et on essaie de réprimer le souvenir d'influence qu'on était négativement
comme les grandes frayeurs ou alors les grandes humiliations. À l'inverse, on cherche constamment à revivre celles qui sont associées à des émotions positives, à des expériences d'amour ou d'attention. Et au cours de notre vie, une personne ou un événement soudain peut déclencher un souvenir de cette expérience positive ou négative, ce qui va libérer les hormones et les substances chimiques complexes qui sont justement associées à ce souvenir. Et si on prend par exemple un homme qui a une mère narcissique et distante, tout petit, il a vécu sa froideur comme un abandon. Il s'est dit que s'il avait été affectivement abandonné, c'est parce qu'il n'était pas digne de son amour. Ça arrive aussi souvent à la naissance d'un autre enfant parce que du coup la mère donne beaucoup moins d'attention, ce qui fait qu'il a également ressenti ça comme de l'abandon. Plus tard, à l'âge adulte, il est marié à une femme qui lui laisse entendre qu'elle désapprouve l'un de ses traits de caractère ou l'une de ses actions, ce qui est naturel dans un couple, de toute façon, et même témoigne d'une relation saine. Sauf que ça va toucher un point sensible et réactiver une blessure chez lui. Il se dit que si elle remarque ses défauts ou alors ses insuffisances, c'est qu'elle va bientôt l'abandonner. Il va être envahi par une émotion puissante, par un sentiment de trahison imminente, mais en fait, il n'en voit pas l'origine et c'est plus fort que lui. Alors, il réagit de façon excessive, il accuse sa femme, il se replie sur lui et tous ses comportements aboutissent à ce qu'il redoutait le plus, c'est-à-dire être abandonné. Donc il réagit à son passé et à une image déformée du présent, mais pas à la réalité. C'est le summum de l'irrationalité. Et donc, comment reconnaître cette irrationalité chez vous ou chez les autres? Ça sera le sujet de la troisième et dernière vidéo sur les émotions. Assimilez ces deux premières vidéos et on se retrouve sur la troisième.